Je pense qu'on a quand même fait une belle partie. Mais malheureusement, voilà, on ne prend pas de points. C'est bien ce qu'on fait. On travaille la semaine d'entraînement, on essaie de mettre les choses en place ce week-end. Malheureusement, voilà, aujourd'hui, il nous a manqué un brin de réussite. Et puis, comme on a pu le voir, là, au haut niveau, les erreurs se payent cash très rapidement. Donc voilà, c'est des petits détails qu'il va falloir corriger pour pouvoir exister dans ce championnat. Et puis voilà. Ils sont quand même bien aussi rentrés dans le match. On a pu voir les deux équipes qui se jaugeaient un peu au début sur les 20 premières minutes. On a pu voir que personne ne peut-être osait se livrer. Puis au fur et à mesure, le match est monté en intensité. Et je pense qu'on a commencé à avoir quelques situations. Si on en a une seule en première mi-temps, ça finit au fond. Après, en deuxième mi-temps, je pense qu'on aurait pu revenir au score, même peut-être l'emporter, parce que c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de situations. Mais voilà, il manque d'efficacité. Après, ils en ont eu aussi certaines situations qu'ils auraient pu mettre au fond. Mais voilà, on va quand même retenir du positif. Il y a quand même de belles choses. Maintenant, il va falloir bien travailler. Il y a la trêve. On va s'aérer un peu les têtes et puis on va se remettre au boulot pour préparer au mieux le prochain match. On savait que ça allait être compliqué. Parce que tu n'avais pas l'effectif qui était au complet. Deux, tu affrontais quand même de belles équipes. À domicile, que ce soit le PSG ou Monaco, c'est des prétendants au titre. Et tu avais deux déplacements quand même qui étaient assez compliqués. Clermont et Strasbourg qui sont quand même deux équipes avec qui on va lutter, je pense, pour le maintien. Donc, ce n'était pas non plus un cadeau. Mais dans l'ensemble, ce qui est frustrant, c'est qu'on a quand même fait un mois d'août cohérent en termes de jeu. Après, en termes de points, c'est pas ce qu'on souhaitait. On aurait aimé avoir beaucoup plus de points et je pense qu'on les méritait. Mais voilà, c'est la loi du haut niveau, comme je disais, ça se joue sur des détails. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on n'a qu'un point. C'est bien ce qu'on fait. C'est peut-être sympa à avoir joué, mais je préférais qu'on joue un peu moins bien au ballon et qu'on soit plus efficace et qu'on ait plus de points. Donc maintenant, on va bien travailler, comme j'ai dit, pendant la trêve pour repartir de l'avant dès le prochain match.